Ça doit prévoir pour l'ensemble du territoire national 25 tribunaux de première instance de deuxième classe, 3 tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto Nouveau et Parakou, et 3 cours d'appel également, un peu comme régionales, c'est-à-dire une à Cotonou, une à Abomey et une troisième à Parakou. Aujourd'hui, l'état des lieux se présente comme suit. Nous avons 14 tribunaux de première instance, de première classe et de deuxième classe en service sur les 28 qui sont prévus. Il reste donc 28 à installer, les 3 dont vous faites état, à savoir Comé, Dassazoumé et Malanville sont donc les 3 qui viennent s'ajouter au lot existant. Nous avons là pu mettre en service 3 nouveaux tribunaux à la faveur de la formation de nouveaux auditeurs de justice qui sont les magistrats que nous avons affectés en juridiction la semaine dernière, avec également les 100 greffiers qui étaient sortis d'école au début de cette année. Donc, la mise en place et la mise en service de nouveaux tribunaux répond à la volonté politique de doter les tribunaux en effectifs suffisants pour les faire tourner parce qu'il n'est pas nécessaire ou il n'est pas de bon aloi d'installer un tribunal sans qu'il y ait des effectifs suffisants. Et également, derrière, il y a une politique de construction des infrastructures pour accueillir les autres tribunaux, de telle sorte que, mettons, d'ici à 2 ans, avec les nouveaux éditeurs qui sont en formation depuis le début de cette année, plus les 100 que nous allons recruter d'ici au mois de décembre, nous aurons suffisamment de bras pour opérationnaliser les autres tribunaux qui attendent donc d'être mis en place. Nous devons dire également que la politique que nous faisons en ce moment consiste à installer des tribunaux frontaliers parce qu'il arrive que les conflits entre nos compatriotes ou avec d'autres étrangers le long de nos frontières soient exportés pour être jugés dans d'autres pays. Nous avons également comblé un vœu du législateur que la commune de Dassa est le seul chef lieu de département qui n'a pas de tribunal. Donc nous avons installé, avec les mutations actuelles, un tribunal à Dassa, et puis les tribunaux frontaliers de Comé, qui va jusqu'à Ilakondi pour ce qui concerne sa compétence territoriale, et le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Et nous avons nommé récemment 76 magistrats, donc nouveaux magistrats. Et puis, les mutations qui ont été opérées récemment ont concerné environ 200 magistrats qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de mutations d'envergure, mais pour combler le vœu d'efficacité du président de la République qui veut que tous les tribunaux soient également dotés et en nombre suffisant de personnel judiciaire.